citrouille d'Halloween, ça commence par le choix de la bonne citrouille. Chez le fermier, on en choisit une bien ronde ou d'une forme intéressante avec laquelle on a envie de s'amuser. Tout est possible, mais certaines sont clairement plus faciles que d'autres. J'éviterai les citrouilles aux tranches trop marquées ou trop basses, à la chair trop épaisse. Essayez de viser le type de citrouille idéal. Haute, lisse, orange. Souvent, on peut même trouver des citrouilles spéciales Halloween. Elles ont moins de chair et elles ont vraiment la forme idéale pour que ça soit facile à travailler. Les mini-citrouilles, elles, sont plutôt jolies entières et délicieuses à manger, mais pas vraiment pratiques à creuser. Avec les deux grandes, nous sommes bien équipés. On commence par dessiner et découper une ouverture, le toit de la citrouille. On y inclut un petit V pour marquer le sens et on essaye de découper le plus en diagonale, à l'horizontale presque possible pour que le toit tienne quand on le remet. Place à la partie délicieusement dégoûtante de vider les entrailles de la citrouille. Armez-vous d'une cuillère, d'une spatule ou d'un scoop à glace de vos mains, mais le but c'est de vider les graines et une petite partie de la chair pour que l'intérieur soit lisse. On essaye de garder de l'épaisseur, mais pas trop non plus. Vous pouvez vous entraîner d'abord sur une feuille ou y aller directement au feutre sur la citrouille et dessiner des yeux, une bouche, des dents, des éléments un peu effrayants. Pour cette partie sculpture, un petit couteau bien aiguisé fera l'affaire et surtout soyez hyper prudent avec vos doigts. Je confierai cette partie qu'aux adultes bien avisés. Marquez les traits que nous avons faits au feutre en repassant dessus avec le couteau avant de vraiment couper la chair plus en profondeur avec des petits mouvements de cisaillement ou d'avant en arrière. Méchant, peureux, bête ou heureux, vous pouvez vraiment vous aider d'inspiration aussi sur Pinterest et jouer avec les expressions. Gardez cependant en tête que les détails ne doivent pas être trop petits car ils devront être creusés en profondeur dans la citrouille. Chez nous, monsieur est américain. C'est dans sa famille que j'ai appris à creuser ma toute première citrouille d'Halloween. Chaque année, c'est un rituel que l'on aime bien partager en famille ou entre amis. Alors aujourd'hui, c'est à votre tour d'être initié. Faites-vous un petit moment sympa où vous pouvez profiter pour manger et boire des choses de saison et vous faire plaisir. Mettez-vous de la musique ou un film d'Halloween. Plusieurs bougies à réchaud que notre citrouille va devenir magique. On l'allume en général le soir, à l'extérieur. D'ailleurs, gardez toujours la citrouille dehors au frais. Évitez le plein soleil pour qu'elle se conserve mieux. On peut l'acheter entière en avance, mais il ne faut pas la faire trop tôt afin qu'elle soit toujours en forme le jour d'Halloween.